saw there were put there in order to be able to fire an electron beam away from the shuttle to make an artificial aurora, aurora australis, as they were done in the southern hemisphere. And the spheres allow the current to come back to the shuttle. When you fire a beam away, you have to pull electrons back again. And that's why they were on there. But we studied up into the magnetosphere using that beam. We studied the sun and how the sun changes, how the energy from the sun is changing, which is, again, very important for climate. So there were a lot of areas. It was important for climate change and all... It's very important, because when you start to calculate how the atmosphere is changing, are we changing it, or is the sun changing it? Alors justement, on va peut-être switcher de temps en temps en français pour, pour les étudiants. Les données qui ont été prises à ce moment-là, donc les mesures qui ont été faites, ont effectivement eu un impact sur ce qu'on sait aujourd'hui des changements. Oui, c'est vrai, mais je voudrais dire aussi que de telle la composition de l'atmosphère, l'effet climatologique des constituants, il faut qu'on les... mais je veux souvent, presque constamment, pour vraiment constater le niveau et la ligne, le train, des choses comme ça. Alors, quoi sert-il d'avoir une vol de 9 jours? Alors, deux buts principalement. L'un, c'est d'amener les instruments qui peuvent constater la réalisabilité, l'accuracy, la précision d'autres instruments.